béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Adonai, le Dieu créateur. Merci Seigneur. L'univers. Merci Jésus. Redemptor. Tu peux chanter ça avec le chant très bien-aimé. Et l'Adonai de ta vie. Ton nom. Gloria. Adonai. Dieu est là. Adonai. Dieu est là. Adonai. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. L'univers. Redemptor. Adonai, le Dieu créateur, l'univers rédempteur, ta main, Seigneur, éternel ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers rédempteur, ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains
moi de Dieu. Toute chose changera, toute chose passera, le ciel, la terre passera sur nous. Il n'y a que ta parole, il n'y a que la parole qui restera éternellement. Aux hommes, sans Thank you.
des rois, des rois. Les seigneurs, des seigneurs. C'est toi, notre Seigneur Jésus. C'est la gloire de t'offrir sacrifice à cause de nous. Tu t'es fait malédiction pour que je puisse vivre le bonheur. Tu t'es fait péché à cause de moi pour que je sois sauvé. Tu as donné ta vie à cause de moi. Tu as accepté d'être maltraité comme un malfaiteur. Dans ses amis. Ta bonté. Oui, tu es bon. Ton règne n'a point de fin. Oui, tu es bon. Lorsque tu es là, nous sommes dans la paix. Lorsque tu es là, tu nous donnes la tranquillité. Tu déverses ton amour dans nos vies. Nous te bénissons. Nous te saluons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, toi qui es le roi des rois. Nous t'acclamons, toi qui es le prince de paix. Nous t'acclamons, toi qui as vaincu la mort. Nous t'acclamons, toi qui es le resté le troisième jour. Nous t'acclamons, toi qui es assis à la droite du Père. Nous t'acclamons, toi qui es le bon berger. Nous te proclamons le roi des rois. Nous te proclamons, toi qui es le plus puissant. Oh, nous te bénissons, toi qui es le créateur. Nous te bénissons, toi qui es Dieu. Nous te bénissons, toi qui appelles en existence ce qui n'existe pas. Nous te bénissons, le Dieu incomparable. Nous te bénissons, le Dieu insondable. Alléluia. Alléluia. Père, nous te disons merci. Descends et parle-nous. Descends et parle-nous. Emmanuel, sois parmi nous. Oriente-nous, car nous avons besoin de toi. Que ta grâce coule encore dans nos vies. À ton nom, Jésus. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Sois loué, sois loué, sois loué. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire comme ça pour Dieu? Tu peux lever tes mains, balancer les mains pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a des gens qui sont venus du ciel là. Il y a des gens qui ont rencontré. Ah oui, nous, tu n'es pas seul. Oui, tu n'es pas seul. Non, tu n'es jamais seul. Non, la bonté de Dieu est sur toi. Balancez bien les mains. Je vais voir la bonté de Dieu sur toi. Balancez bien les mains. Que Dieu te bénisse. Appelle maintenant la bénédiction qui est à ciel. Viens dans ma vie. La bénédiction de l'Éternel descend dans ma vie. Appelle-la bien. La bénédiction de l'Éternel descend dans ma vie. Appelle, la bénédiction de l'Éternel descend dans mon avenir. La bénédiction, la Bible dit, la bénédiction ne vient ni d'Orient, ni d'Occident, mais la bénédiction vient de Dieu. Appelle-la encore avec foi. La bénédiction de Dieu vient dans ma vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce, la bonté de l'Éternel soient avec vous. L'amour et la grâce de Dieu s'est manifesté encore dans notre vie. L'Éternel est bon. Nous avons pris presque 10 minutes. Vous savez, il y a des fois quand Dieu nous ouvre les ciels, nous devons entrer et profiter, arracher des bénédictions. Laisse-moi te dire, je répète encore, quand le ciel s'ouvre, nous devons aller au ciel et récupérer la bénédiction. C'est un mystère. Ce n'est pas seulement les sorciers qui sont capables d'aller.
nous aussi, à travers le Saint-Esprit, nous allons vers notre Dieu pour récupérer, attirer la bénédiction vers nous. Que Dieu te bénisse. Et laisse-moi te dire, on n'est jamais déçu devant la présence de notre Dieu. Et je sais que l'Éternel a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur. Oh, j'anéantis toute forme de malheur dans votre vie. Oh, j'ai maudit toutes sortes de malédictions prononcées contre ta vie au nom de Jésus. Oh, je déclare encore, si tu n'entends pas, reçois cette parole. J'ai maudit toute parole de malédiction prononcée contre ta vie au nom de Jésus-Christ. La malédiction peut venir des prononciations, des déclarations sataniques, démoniaques. J'ai détruit cela, j'ai maudit cela au nom de Jésus-Christ. Et toute langue qui t'a maudit, qui t'a déclaré des paroles de malédiction contre toi, je fais retourner ces paroles contre cette personne au nom puissant de Jésus. Des paroles de jarre que tu ne réussiras jamais. Que cette parole retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Toute forme de personne qui planifie des projets de destruction contre ta vie, que cette destruction retourne contre lui au nom de Jésus-Christ. Et que toute arme forgée contre ta vie, je le déclare au nom puissant de Jésus, sera nulle et sans effet. Je répète encore, toute arme forgée contre ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la destruction, je détruis cela et je fais retourner à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage dans ton foyer. Oui, je sais ce que je suis en train de dire. Des contradictions peuvent venir de l'ennemi. Des projets diaboliques de l'ennemi peuvent être planifiés. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu t'accroches à Dieu, l'Éternel sera là pour te défendre. Que la main de l'Éternel te soutienne dans ta direction, dans tes combats, dans le nom de Jésus. Nous allons prier d'abord pour la parole. Père, nous te rendons grâce. Tu es la parole parlée. Descends dans nos vies. Sois l'enseignant de ce soir. Oriente-nous par ton esprit au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel notre Dieu, durant ces moments. Que l'assistance et l'œuvre de l'esprit s'opèrent au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 12, nous allons lire le verset D. Ésaïe chapitre 12, verset D. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. On peut répéter encore une fois un peu doucement, s'il vous plaît. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un que Dieu a sauvé ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un que Dieu a sauvé ce soir. Je pense que quelqu'un, Dieu, a délivré. Parce que dans ma version, la Bible dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Alléluia. Dieu est le Dieu de ma délivrance. Je suis rempli de confiance. Et je ne crains rien face aux défis, aux combats de réalité. Comme vous me voyez ici devant vous, comme je te vois, Dieu m'a sauvé. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que Dieu m'a sauvé. J'ai confiance à ce Dieu-là. Peu importe les circonstances, lorsque je vois certaines choses, je fais confiance à Dieu. Voici le Dieu de ma délivrance. C'est comme si quelqu'un qui présente, qui montre, voici les secrets de ma réussite, voici la solution de mes défenses,
Voici la manière dont la protection de Dieu s'opère dans ma vie. Je ne crains rien, j'ai confiance à l'Éternel. Église de Dieu, ayons confiance à Dieu. Ayons confiance à Dieu pour la grâce, pour la bonté, pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies dans notre vie. Que Dieu soit le sujet, que Dieu soit notre sujet de confiance. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « L'Éternel est ma force ». L'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. Alléluia. Laisse-moi te dire, chaque fois, à tout moment, les gens vont chercher à identifier, à comprendre quel est ton secret. Comment tu peux accéder ou arriver à la victoire. Bien-aimé, l'assurance ne viendra jamais d'ailleurs. L'assurance doit venir d'abord de moi-même. J'ai fait confiance à Dieu. Bien-aimé, on peut parler de l'Éternel. On peut expérimenter ou parler le nom de Dieu. Mais la meilleure expérience viendra de toi-même. Oh, sois comme Esaïe ce soir. Je suis Esaïe de cette église. Parce que j'ai confiance. Si autrefois j'étais païen, si Dieu m'a délivré, j'ai confiance. Je n'ai pas peur tout simplement parce que je sais que j'ai confiance à l'Éternel. Il est le Dieu de ma délivrance. C'est-à-dire, Esaïe est en train de présenter un Dieu. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui enlève la peur. Alléluia. Et lorsque j'expecte la parole de Dieu, il est écrit, mentionné à plusieurs reprises, ne crains pas. Ne crains pas. Même ta situation de réalité que nous pouvons traverser, tout ce que nous pouvons vivre, ne crains pas. Oh, ne crains pas. Est-ce que quelqu'un peut être fier dans sa vie chrétienne, dans sa relation avec Dieu, en disant, je ne crains pas. Parce que le Dieu que j'ai pris, le Dieu que nous prions, il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu qui m'a racheté, qui m'a pris quelque part, qui m'a ramené à la vie. Oh, je ne crains pas, j'ai confiance à l'Éternel. Cette expression soit ton expression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que tu sois, où que tu vis, que cette expression soit ton expression. Devant des problèmes, des attaques, des menaces, des circonstances, déclaré. Il est le Dieu de ma délivrance. Voici. Oh, voici le Dieu. Oh, moi qui ne méritais pas, moi qui n'étais pas, qui ne pouvais pas accéder à cette dimension, mais à cause de la délivrance veut dire tout simplement, Dieu t'a enlevé dans la malédiction, dans les péchés, dans la captivité, pour t'amener vers la victoire et vers la gloire, pour t'a donné l'assurance de ne pas craindre, pour te rassurer que tu as un Dieu qui t'a sauvé. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui compte, qui t'a sauvé. Alléluia, ah, je parle à quelqu'un. Qui t'a sauvé? Bien aimé, quelqu'un peut dire, j'étais malade, je suis guéri, parce qu'il y a un bon médecin qui m'a soigné. Quelqu'un peut déclarer, j'avais des problèmes, des circonstances, mais quelqu'un m'a aidé, ma vie a changé. Mais je te pose la question, qui t'a sauvé? Si je parle avec confiance, si je suis sauvé, c'est l'Éternel qui m'a sauvé. Alléluia. Si je suis délivré, c'est l'Éternel qui m'a délivré. Aussi, je n'ai pas peur parce que je ne fais pas confiance à un homme, mais je fais confiance à Dieu. Aussi, je suis dans la tranquillité malgré toutes les circonstances parce que je ne compte que sur la grâce de Dieu. C'est pour cela que je viens parler comme un enfant de Dieu en disant, voici le Dieu de ma délivrance. Je lui fais confiance et je ne crains rien. Et lorsque je fais confiance à Dieu, ma façon de voir, j'aime toujours parler de ma vision. La vision, ma vision peut voir, vous voyez, il y a une mire ici, mais ma vision voit au-delà de cette mire. Alléluia. Parce que j'ai fait confiance à un être supérieur. Il est le très haut. Il est celui qui dépasse toute autorité. Lorsque je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur la bonté de l'Éternel, je serai toujours dans la joie, dans toute forme de fierté, pour témoigner, pour dire aux gens, voici le Dieu qui m'a sauvé. Laisse-moi te dire, t'interpeller, te répéter, te dire quelque chose. J'ai suivi quelque chose. J'étais choqué. Des scientifiques étaient en train de parler, des médecins en train de parler. Qu'est-ce qu'ils disaient? Il disait que la médecine ne sauve pas. Quand tu bois un médicament, ça ne te sauve pas. Ah bon? Il dit, à 100% des médicaments,
il n'y a que 20% des médicaments qui peuvent peut-être sauver. Lorsque tu as la malaria, tu as des fièvres, tu prends des quinines. Tu vois comme si tu es sauvé, tu es tout simplement guéri momentanément. Un moustique viendra encore te piquer. Des mois plus tard, tu seras encore malade. Alléluia. Donc ça veut dire quand il dit, oh le traitement est efficace, oui pour aujourd'hui, mais demain tu ne sais pas. Mais je suis venu parler d'un Dieu. Lorsqu'il te sauve aujourd'hui, lorsque tu es sauvé aujourd'hui, lorsqu'il te guérit aujourd'hui, lorsqu'il te délivre aujourd'hui, toute ta vie tu seras libre. La fin de la captivité. Jamais lorsque Dieu te délivre, tu vas rentrer encore dans la captivité. Oh, lorsque Jésus te délivre, tu ne vas pas être délivré 10 000 fois. Mais lorsque Dieu te délivre, ta délivrance est totale. Ma Bible me dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, c'est alors que tu seras réellement libre. Oh, ton traitement ne te rendra pas libre. Tes médecins ne te rendra pas libre. Ta situation ne te rendra pas réellement libre. Tu seras comme si libre. Mais demain, tu vas tomber dans la même chose. Demain, rien ne pourra changer encore dans votre vie. Mais si Dieu te touche, tu seras réellement libre. Je crois à ta liberté. Ayez confiance à ce Dieu-là. Présentez Dieu avec fierté. Voici le Dieu de mon salut, le Dieu qui m'a délivré. Dans toutes circonstances, dans toute réalité que je traverse, j'ai un Dieu. Je peux être différent de vous. Votre traitement n'est que des circonstances. Demain, tu peux tomber dans la même chose. Mais si Dieu te touche, jamais tu ne seras de même. Ma Bible me dit que je n'ai jamais vu un homme rencontrer, passer près de la croix et rester le même. Ma Bible me dit que quelque chose doit réellement changer dans votre vie. Oh, je crois que Dieu a changé ta vie. La confiance viendra que de toi. C'est l'expression d'un homme qui parle. Il est le Dieu de ma force. La force, ce n'est pas des autres de voir, mais c'est à toi d'expérimenter. Voici ce que Dieu a fait de moi. Il m'a délivré. Si je n'ai pas peur, si je ne crains pas, parce que j'ai un Dieu. C'est Dieu que je suis en train de dire, celui qui m'a sauvé. Bien-aimé, à la croix, Jésus a déclaré, tout est accompli. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que personne, aucune situation de la vie, aucune réalité que tu peux traverser ne puisse voler ta joie. Même pas le diable, même pas les circonstances. Oh, c'est pour cela que la Bible dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Oh, je parle à un enfant de Dieu, que rien ne puisse te bousiller. Il y a des fois, on se pose des questions. On dit, ma citation. Non, parle de ton Dieu. Présente le Dieu. Dis, voici le Dieu que, oh, le Dieu de ma délivrance. Voici le Dieu que je fais confiance. Je ne crains rien. Je peux être malade, mais je ne crains rien. Je peux être pauvre, je ne crains rien. Malgré mes citations, je ne crains rien. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, que personne, même pas le diable, puisse voler ta joie. Soyez joyeux dans toutes circonstances. Vous savez comment je disais que j'étais choqué? Parce que dans mes pensées, je croyais quand les blancs maîtrisent la médecine et que la médecine était la meilleure solution pour guérir l'homme. Lorsqu'on te donne, les scientifiques disaient, lorsqu'on te donne un médicament, en retour, il y a des effets secondaires. Alléluia. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, lorsque Jésus est ta force, lorsque l'Éternel est ta force, non, il n'y aura pas des effets secondaires. Il n'y aura que des effets positifs. Oh, je parle à un enfant de Dieu. Il n'y aura que des effets positifs. Bien-aimé, laisse-moi te dire, j'étais païen, je ne connaissais pas Dieu. Lorsque Dieu m'a délivré, lorsque Dieu m'a racheté, lorsque Dieu m'a sauvé, je croyais que tout sera négatif. Je croyais que rien ne pourra changer. Je dis que ma vie est foutue. Mes amis regardent, me regardaient d'une manière en disant, il est devenu en arrière. Je te dis que tu es devant. C'est qu'ils pensent que tu es en arrière. Moi, je te place devant à cause de l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu soit tes forces, ta force. Cela veut dire même si les combats peuvent venir, les vents contraires peuvent souffler dans votre vie, la grâce de Dieu sera là pour te défendre. L'amour de Dieu sera là pour t'apaiser.
C'est pour cela que j'aime pas voir un enfant de Dieu se fâcher. Ne te mets pas en colère. Parce que l'ennemi nous pousse à fâcher, à se mettre en colère. Soyez dans la joie. Transmettez ce que tu as. Ce qui s'est passé en toi. Quelqu'un dont Dieu a fait du bien. Regarde, si on te donne 100 000 euros, nous tous nous allons constater seulement par ta présence. Je parle à quelqu'un. Si tu as 100 000 euros, dès que je vois ma mère Lisée, je vais sentir, même si elle ne m'a pas encore dit, mais je vais déjà sentir ces 100 000 euros. Mais le Dieu qui nous a délivrés nous a donné plus que des milliards. Alléluia. Que l'Éternel soit ta force. Bien-aimé, il est très important de savoir, il y aura toujours des situations difficiles. Mais lorsque tu crois, tu sais. Quand Esaïe déclarait cela, c'est un témoignage. Oh, je ne cesserai jamais de témoigner la bonté de l'Éternel. Je ne cesserai jamais de témoigner les bienfaits de Dieu. Que peu importe les circonstances de la vie, ne crains pas. Ne crains pas veut dire quoi? Dieu a un remède à tout problème. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Là où les médecins disent qu'il y a des effets secondaires, ça ne peut pas tout soigner. Lui, il est capable de donner la guérison. D'abord, avant la guérison, c'est l'assurance. Vous savez à combien coûte l'assurance? Qui paye l'assurance de sa voiture ou de la maison ou de quelque chose, des enfants à l'école? Est-ce que vous croyez que l'assurance qu'on paye pour nos enfants protège nos enfants? Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, des choses de ce monde ont des limites. Ils peuvent fabriquer des choses, on paye même pour ça. Mais nous oublions, ce que Dieu nous donne est plus précieux que l'or, plus précieux que le diamant. Est-ce que quelqu'un est-il prêt là où il sera témoigné Dieu? Voici le Dieu. Bien-aimé, lorsque l'évangile a commencé, l'homme a commencé à propager l'évangile, il disait, voici celui que vous avez tué. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Il a fait de moi serviteur de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et si nous pouvons faire confiance, totale confiance à notre Dieu, sache que peu importe la situation, j'aimerais préciser une chose. Ce qui est un peu dommage lorsque nous parlons de la délivrance, les gens voient seulement les démons. Non, la délivrance ce n'est pas seulement les démons. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Se séparer de certaines choses aussi témoigne devant notre Dieu que Dieu nous a délivrés. Donc lorsque Dieu nous touche dans certaines situations, il change notre situation. Bien-aimé, si tu comprends ce message, même si tu es malade, tu ne cesseras jamais de bénir Dieu. Si tu comprends ces messages, même si tes problèmes ne marchent pas, tu ne cesseras jamais de rendre gloire à Dieu. Parce que tu sais que le prix précieux que Dieu t'a donné, ce n'est pas visible. Même l'être humain ne peut pas le voir. Mais de toi-même, tu dois savoir, j'ai confiance à l'Éternel. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, ce que je traverse aujourd'hui, mais mon demain ne sera pas le même. Parce que l'Éternel est ma force. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Samson avait un secret pour sa force. Sa force est reposée seulement dans ses cheveux. Dès qu'on a touché ses cheveux, Samson n'avait plus la force. Mais ta force est le plus grand secret qui se garde contre à toi. Oh, je parle d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui te regarde, comme je vous regarde comme ça, il ne peut pas voir le vrai secret. Même s'il touche ta vie, même s'il te donne les masses, même si tu deviens malade, le vrai secret qui est en toi, c'est invisible. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend en toi, cela veut dire Dieu avait décidé de ne plus habiter par des maisons construites par les hommes. Pourquoi tu as peur? Si Dieu habite en toi, il y a une même chanson qu'on chante. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Si l'Éternel est ta force, imaginez, Dieu est en toi. Jésus est en toi. Parce que Jésus a déclaré, si quelqu'un me reçoit, moi et mon Père, nous allons faire de son corps notre demeure. Oh, je dis à un enfant de Dieu, peu importe ta situation de réalité, croyez que l'Éternel est ta force. Croyez que l'Éternel est la solution de tes problèmes.
croyais que la meilleure révélation ne viendra pas d'ailleurs parce que la révélation vit en toi. Bien-aimé, quand je prêche la parole de Dieu, c'est juste la Bible me dit une chose. Marie était enceinte, Marthe aussi était enceinte. Les deux avaient des enfants différents. Les deux portaient des enfants qui étaient différents d'autres enfants. Lorsqu'ils s'est rencontrés, il s'est passé quelque chose dans leur ventre. Ce que je suis en train de transmettre, si tu as l'Esprit de Dieu, quelque chose doit bouillonner en toi. Parce que le Saint-Esprit va te bouger pour te faire sentir que Dieu n'est jamais loin de toi. Oh, c'est pour cela que j'aimerais te dire, soyez rassurés, parce que l'Éternel est ta force. Personne ne peut te toucher. Ne crains rien. Soyez rassurés devant tes problèmes. Montre-les leur Dieu. J'aime enseigner à quelqu'un, à un enfant de Dieu. Quand je recevais des gens au téléphone, j'avais un langage que je disais aux gens, une manière de prier. Je leur disais comment, quand tu pries pour ton problème, appelle ton problème par son nom. Maladie, malaria, je t'appelle par ton nom. Voici moi qui tu vois là. Voici cet homme qui m'a sauvé. Il est mon défenseur. Il est mon avocat. Il est mon roi. Il est mon sauveur. Malaria, es-tu plus puissant que cet homme? Je ne sais pas si quelqu'un a compris. J'ai parlé seulement de malaria. Mettez seulement ton problème. Que toi, mon problème, es-tu plus puissant que Dieu? Es-tu plus puissant que l'Éternel? Bien, mais lorsque nous parlons de Dieu, je trouve ça un peu compliqué parce qu'on peut mélanger Dieu avec d'autres choses appelées Dieu. Mais lorsque je parle de l'Éternel, il n'y a pas une autre personne qui s'appelle Éternel si l'Éternel lui-même. L'Éternel ne peut pas être manipulé. Même le diable ne s'appelle pas Éternel. Même la maladie, la sorcellerie ne peut pas s'appeler éternelle. Ma Bible même me promet, tout passera. Alléluia. Et laisse-moi te dire que chaque chose a son temps. Si tu as subi des choses difficiles, des moments complexes, fais confiance à Dieu. Témoigne Dieu. Oh, c'est pour cela que j'aime écouter des témoignages. Quand quelqu'un se dit, voici j'étais incapable de réaliser telle ou telle chose, mais Dieu m'a amené au-delà de cela. C'est une chose que nous sommes en train de présenter tout simplement en disant, voici comment l'Éternel est ma force. Lorsque l'Éternel est ta force, si tu as des soucis pour concevoir, tu vas concevoir. Alléluia. Si tu as des soucis pour la guérison, tu auras la guérison. Et celui qui a Dieu ne pense plus à son corps. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il y a des fois, on prend plus soin de notre corps, on oublie l'intérieur. Regarde. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que j'ai ici? Non, attends, je vais vous arranger pour voir, bien voir. Qu'est-ce que j'ai ici? N'est-ce pas? Vous voyez bien, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est l'enveloppe ou la contenu? C'est vrai ça? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce qu'encore l'enveloppe ou la contenu? Parce que si tu me dis l'enveloppe, j'allais enlever la contenu et te donner l'enveloppe. Mais l'enveloppe, après avoir été utilisée, qu'est-ce qui va arriver pour cette enveloppe? Mais la contenu, si il est intéressant, vous croyez que je vais jeter? Vous croyez? Dans la poche, hein? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Si l'Éternel est ta force, c'est le plus grand rôle que Jésus a joué à sa venue ici-bas. Ce n'est pas pour venir sauver l'enveloppe, mais pour venir sauver la contenue. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'aimerais expliquer. L'homme est composé de, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? L'âme et l'esprit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a déjà déclaré pour le corps? De la poussière. Poussière à la poussière. Or que lorsque Dieu parle un mot, Dieu ne revient pas en arrière. La Bible dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'Éternel dit, cela doit s'exécuter.
Alléluia. Même Jésus, lorsqu'il était venu, il fallait mourir et sortir avec une corps de gloire. Cette corps-là, on peut la toucher, mais ce n'est plus le même corps. Alléluia. À un moment donné, Jésus même a dit, non, ne touche, mais touche pas d'abord, parce que ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Si tu choisis l'enveloppe, mais imaginez, on te donne une enveloppe, parce qu'ici en Europe, ça arrive. Comme je prêche, j'enseigne, je vais réexpliquer. Berger s'est marié avec Mama Kelly. Vous avez vu pas, vous n'avez pas reçu des enveloppes vides. Berger, aide-moi. Non. Pour vous, non. Papa et maman, vous savez que quand des gens parlent, en fait, ils portent des costumes, ils viennent, ils donnent des enveloppes vides dans des fêtes. Alléluia. J'aimerais prêcher un enfant de Dieu. Si tu veux que l'Éternel soit ta force, que à l'intérêt de toi ne soit pas quelque chose d'inutile, mais cherche à l'intérêt de toi que le Saint-Esprit opère puissamment, que l'Éternel sera ta force. C'est-à-dire, si nous allons choisir l'enveloppe seulement, préparer une belle enveloppe, arranger une belle enveloppe, bien aimé, sincèrement, bien aimé, bien berger, que Dieu vous bénisse, parce qu'il a permis, il n'a pas permis que quelqu'un vous donne une enveloppe vide. Vous savez la nervosité, si tu me donnes une enveloppe vide, comment je vais être? Tu me viens, pasteur, prie pour moi, je prie pour toi, j'ouvre pas l'enveloppe, je pars avec l'enveloppe chez moi à la maison, je fléchis mes genoux, je prie et je regarde cette enveloppe est vide. Alléluia. Alléluia. L'Éternel notre Dieu est ma force. Nous sommes un sujet de témoignage. Sois fidèle à Dieu, témoigne, montre à Dieu que je ne crains rien, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une présence. À l'intérieur de moi, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Ne soyons pas des enveloppes vides devant l'Éternel. Bien-aimé, s'il faut voir le corps ou la sapologie, nous allons le voir. Surtout en Europe ici, ce n'est pas quelque chose à chercher. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Que cela ne soit pas seulement une expression. Que chaque personne puisse expérimenter la bonté de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Nous allons lire dans Jérémie. Jérémie chapitre 1er verset 5. Je lis la parole. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Alléluia. Encore une fois. Avant de te former dans le ventre de ta mère. Avant qu'il soit formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Dieu te connaissait. Et avant que tu naisses. Avant que tu sois né ici-bas. Je t'avais consacré. Dieu t'a consacré déjà. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Dieu t'a déjà désigné prophète pour les nations. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Étant donné que l'Éternel est ta force, tu dois savoir dans ta vie, les jours de ta conception, ce n'est pas un hasard. Alléluia. On nous a appris ici de quel lait tu es, de quel lait que tu as reçu de ton enfance. Dieu connaissait Moïse. Dès qu'il était formé, Pharaon faisait ses plans, ses projets de destruction, de tuer des gens. Mais Dieu savait aussi, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, si les sorciers n'ont pas pu te bouffer lorsque tu étais jeune, parce que Dieu a fait un projet dans ta vie. Si tu as des combats, des guerres, mais Dieu te rend toujours victorieux, parce que Dieu t'a prédestiné pour quelque chose. Dieu connaît pourquoi tu es né. C'est pour cela que la Bible me dit, ils te feront la guerre mais ils te vaincront jamais, parce qu'il y a des projets que tu dois accomplir. Si ce projet-là n'est pas accompli, tu as un problème. Il y a des gens qui sont ici, il est prophète mais il est là qui dit bas. Alléluia. Non, laisse-moi te dire, j'aimerais dire à un enfant de Dieu que tu es un esprit pour sauver d'autres personnes.
Le Saint-Esprit n'agit pas, ne vit pas en quelqu'un sans pourtant produire des fruits. C'est pour cela qu'on parle de fruits de l'Esprit. Si le Saint-Esprit, si Dieu est là, qui est là ta force, sache qu'il y aura des signes. Mais avant, c'est pour cela que j'aime dire aux gens, j'aime répéter même à Berger plusieurs fois, ni t'étais la volonté de Dieu, je ne pouvais pas te connaître. Alléluia. Faisons un schéma. Yannon, tu étais à Kinshasa dans quelle commune? Ngaliema. Quel quartier? Pardon? Aux zones Binza, Ipen, en face des pigeons quoi. Donc je voulais savoir à peu près. Imaginez, j'étais aussi en Binza. Est-ce que tu m'as déjà vu? Vous comprenez un peu ça? Donc c'est-à-dire, rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Dès la conception, Dieu a établi des projets, des plans pour ta réussite, pour ta vie. Mais les premiers plans, n'oublie pas, il y a des fois nous mettons en avant des choses qui sont charnelles. Nous oublions que nous avons une mission que Dieu nous a envoyée. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je te dis ça. L'Éternel m'a sauvé, je témoigne. Imaginez si j'étais encore fumeur de chambre comme d'avant, si je prenais encore l'alcool, je devais te prêcher la parole de Dieu. Vous comprenez un peu ça? Peut-être je serais pour moi, parce que la plupart de mes amis sont morts. Moi j'aime dire peut-être je serai mort. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est-à-dire si tu ne comprends pas certaines choses, pourquoi Dieu t'a envoyé? Jérémie était né, il a été devenu grand. Mais il ne savait pas que Dieu savait les jours de sa conception. Il y a un projet qui a été préparé. Dieu savait lorsqu'il va être né, lorsqu'il va vivre à Saint-Brieuc. Dieu savait qu'il sera une personne grande, il sera un prophète des nations, qu'une personne que Dieu va se glorifier. Je proclame pour la gloire de Dieu que Dieu puisse se glorifier dans votre vie. Étant donné que l'Éternel est ta force, soyez un sujet de la gloire de Dieu. Soyez un témoignage que les gens verront que Dieu agit réellement. Soyez une personne que les gens vont contempler la bonté de l'Éternel. Que les gens vont expérimenter que Dieu existe. Un jour que tu puisses témoigner que si l'Éternel est ma force, les secrets de ma force, parce que tout simplement mon Dieu m'a délivré. Parce que mon Dieu confiance à ce Dieu-là. Des choses qu'il a réalisées, les médicaments n'ont pas pu se réaliser cela. Des choses qu'il a accomplies, les hommes n'ont pas pu accomplir cela. Mais Dieu l'a accompli dans ma vie. C'est pour cela que je témoigne que le Dieu qui m'a sauvé, le Jésus qui m'a sauvé, il est un homme de Galilée. Il est mort et ressuscité. Et si chaque fois dans ta vie, tu seras en mesure de témoigner, réellement l'Éternel sera là pour te défendre. C'est pour cela que la Bible dit, gardez silence. Je combattrai pour toi. Oh, que Dieu puisse combattre pour tes projets. Que Dieu puisse combattre pour cette église. Non, je ne me lamente pas, mais je fais confiance à Dieu que Dieu va combattre. Je témoigne parce que je sais que Dieu va me défendre. Quand je défends et traverse des moments complexes et des soucis, je me pose même des questions. Toi aussi, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'attend? Mais j'ai confiance à ce Dieu-là, je sais qu'il agira. Je fais confiance à Dieu, je sais qu'il va opérer. Je sais que là, quand je ne paie pas, je sais que lui, il va le faire. Quand la maladie, quand on me donne des compliments qui n'atteignent pas, qui ne me guérissent jamais, mais je sais que j'ai un sauveur. Je sais que j'ai un Dieu. Je sais que lui, il a déclaré par ses mépris que nous sommes guéris. Je sais que peu importe mes problèmes, il a dit à la croix, tout est accompli. Parce que des promesses qui ont été déclarées dès le commencement, lui, il est venu l'accomplir. La Bible me dit, la tête des serpents sera écrasée. Lui, il est venu accomplir cela. Je ne cesserai jamais de témoigner la grandeur de l'Éternel. Je ne cesserai jamais de proclamer Dieu. Peu importe ma situation de réalité. Je peux être malade ou avoir le mal au dos, mais je ne cesserai jamais de lever l'Éternel. Que la parole de Dieu prenne vie dans votre vie, de telle manière que l'Éternel soit ta force. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.